Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer à apprendre à lire et cette fois à la découverte des sons complexes. Dans la première vidéo, nous avons appris les sons simples du français. Tu te souviens? M, V, L, D. G, J, N, Z, W, Pour t'entraîner, tu peux utiliser la chanson des sons. Pour te souvenir des sons complexes, voilà les couleurs des sons. Avant de commencer, connais-tu les couleurs? Répète après moi. Rouge, orange, noir, bleu, jaune, rose, marron, vert. Écoute la chanson Couleur des sons. Couleur des sons, couleur pour les lire, tu vas voir, c'est facile. Un marron, un orange, de l'orange, des couleur des sons, couleur pour lire, tu vas voir, c'est facile. Soleil jaune et rosé, rosé, ouah, 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 t'es noire. Couleur des sons, couleur pour lire, tu vas voir, c'est facile. Un ciel bleu, comme ça, t'es vert. Couleur des sons, couleur pour lire, tu vas voir, c'est facile. Couleur des sons, couleur pour lire, tu vas voir, c'est facile. Voici le perroquet des sons que tu pourras colorier pour te souvenir des couleurs des sons. Le son en de orange s'écrit avec an, en, am ou em. En, 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 en. Comme dans un enfant, maman, le temps. Le son on de marron s'écrit avec on ou om, comme dans le ballon, un pompier, le poisson. Le son ou de rouge s'écrit avec un O et un U, comme dans bonjour, la cour, le loup. Faisons une pause pour revoir les sons ou, on, en. Lisons les syllabes. M ou mou, r en rang, f en fan, v on vont, l ou loup, r en rang. Le son o de jaune peut s'écrire avec O, A,
U-E-A-U. O-O-O. Comme dans la chaussure, la moto, un gâteau. Le son E de rose et rosée peut s'écrire avec E accent aigu, EZ, ER. E, comme dans le vélo, parler, le nez. Le son WA de noir peut s'écrire O, I et parfois O, Y. WA, WA, comme dans la voiture. 3. Voyager. Nous venons de voir le son O de jaune, le son E de rosé rosé et le son WA de noir. Maintenant, lisons des syllabes. M, O, mo. R, WA, roi. F, E, fée. V, O, vo. L, E, lé. T, WA, toi. Le son E de bleu peut s'écrire E, E, U, O, E, U. Comme dans un jeu, deux, un nœud. Le son 1, comme dans 5, peut s'écrire IN, UN, AIN, EIN. 1, 1, 1, 1. Comme dans la main. Le lapin, la peinture. Le son E de vert peut s'écrire avec E accent grave, E, E accent circonflexe, AI, EI, E, comme dans la maison, le frère, 16, le verre. Nous venons de voir le son E de bleu, E de vert, 1 comme dans 5. Maintenant, lisons des syllabes. M, 1, main. R, E, ré. L, E, lait. F, E, feu. V, un, vin. T, E, tait. Une fleur a poussé dans mon jardin. C'est la fleur des sons. Regarde. Avec la lettre G, il faut faire attention. Devant A, O, U ou les consonnes comme L ou R, on entend G. Par exemple, ga, go, gu, gl, gr. Mais devant le E, le I et le Y, on entend J. Je, J. J. As-tu compris? Arrêtons-nous sur le son G de garçon. Lisons les syllabes. Ga, go, gu, gl.
Le garçon gronde la gomme. Le son j de jaune. Je, j, j. La girafe, le judo, gentil. Le son ni de ligne. Quand le G est avec la lettre N, on entend ni. Comme dans souligne, le champignon, il gagne. As-tu compris comment fonctionne la lettre G? Tu te rappelles, avec le G, tu peux entendre G, J, NI. Lisons les syllabes. GA, JE, JI, GO, GU, JI, NIA, NIE, NI, NIO, NU, NIE. Découvrons maintenant le son Y de yaourt. Y, Y, aïe, 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 œil, 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 ouille. Le papillon, la fille, il travaille, le soleil, l'écureuil, la grenouille. Le son Z de zéro peut s'écrire avec la lettre Z ou avec un S quand il est entre deux voyelles. La pizza, la valise, une fusée. Le son S de soleil peut s'écrire avec S, 2S, C devant E et I, C cédille devant A et O. La classe, français, le cinéma. Lisons maintenant des syllabes avec les sons S et Z. Ça, ose, son, ça, zé. Si. Et pour terminer, si nous lisions des syllabes difficiles à prononcer, comme dans les mots froid, glace, drapeau, fleur. G, L, A, GLA, B, R, O, BRO, F, L, E, FLE, P, R, I, PRI, K, R, U, CRU, D, R, O, DRO. Et voilà, c'est terminé. Tu connais maintenant tous les sons du français. À bientôt!